De retour ensemble, c'est un des slogans adressés, mais aussi dressés par le Forum mondial de la jeunesse pendant sa 4e édition qui se tient à Sharm el-Cheikh. Mesdames et messieurs, bonsoir, je suis Hanif Haq, l'animateur qui va vous accompagner durant les prochaines minutes qui sont l'âge de cette nouvelle édition de votre émission presque quotidienne, directe, votre fenêtre sur les grands événements qui ont marqué la scène égyptienne spécialement. Justement, et comme je viens de vous annoncer il y a quelques moments, et le Forum mondial de la jeunesse, ça sera notre dossier à discuter, un autre dossier à analyser durant les prochaines minutes à travers des rapports, des nouvelles, mais aussi à travers des reportages ou plutôt des interviews qui ont été effectuées sur place pendant les ateliers préparatoires de cet événement mondial. Mais avant le commencement, je dois vous inviter actuellement à jeter un coup d'œil sur les dernières activités présidentielles au cours de ces derniers jours. Le président Abdel Fattah el-Sissi suit les travaux de construction d'un complexe industriel pour la fabrication des prothèses. Le président Abdel Fattah el-Sissi reçoit l'ambassadeur du Koweït à l'occasion de la fin de son mandat au Caire. Le président el-Sissi lui a affirmé le plein soutien de l'Égypte à la sécurité et à la stabilité du Koweït dans le cadre de la politique égyptienne de maintenir la sécurité du Golfe. Le chef de l'État s'entretient avec la secrétaire générale adjointe des Nations Unies, la directrice générale exécutive de l'Organisation des Nations Unies contre le crime, la drogue et le terrorisme, Dr. Reda Wedi. Le président Abdel Fattah el-Sissi s'entretient avec le groupe économique ministériel pour suivre les principaux indicateurs de l'économie égyptienne en 2021. Le président el-Sissi poursuit les efforts de gestion et de recyclage des déchets industriels pour préserver l'environnement et la santé des citoyens. Le président el-Sissi inspecte un nombre de véhicules fonctionnant au gaz naturel et à l'électricité. Ceci s'inscrit dans le cadre de l'intérêt accordé au système de transport utilisant une énergie propre. Le président Abdel Fattah el-Sissi enjoint d'achever le design de la maison du Noble Coran et du Centre culturel islamique d'Égypte dans la capitale administrative afin de refléter les principes corrects de la religion qui appelle à la coexistence pacifique, à l'acceptation des autres et à la liberté de croyance. Le président el-Sissi s'entretient avec le président du Conseil militaire de transition de la République du Tchad, Mohamed Idriss Déby, au palais de l'Ittihadiyya. Une cérémonie de réception officielle a eu lieu, les deux hymnes nationaux ont été joués et la garde d'honneur a été inspectée. Le président el-Sissi participe aux célébrations de Noël à la cathédrale Milad el-Masih ou la Nativité de Jésus-Christ dans la nouvelle capitale administrative. «
Arrivons ainsi, chers téléspectateurs, à notre sujet principal à discuter aujourd'hui. C'est bien sûr le Forum mondial de la jeunesse. Et en fait, la direction de ce forum a annoncé le début de l'arrivée des délégations participant à la 4e édition de ce rassemblement mondial. Plus de 5000 jeunes participants venant de 196 pays participent au Forum mondial de la jeunesse qui se tient de 10 au 13 janvier dans la ville de Pé, Sharm el Cheikh bien sûr. D'autre part, on trouve que les entreprises affiliées au ministère de l'aviation civile ont intensifié leurs préparatifs dans les aéroports du Caire, de Sharm el Cheikh, et ont formé une équipe de travail en coordination avec toutes les autres sociétés du ministère pour avancer et toutes les facilités aux délégations du Forum mondial de la jeunesse dans sa 4e édition. Dans un communiqué rapporté par les agences de presse de Moyen-Orient, le ministère de l'Aviation a signalé que la compagnie de l'aéroport du Caire avait intensifié ses préparatifs de concert avec les différentes entreprises, les organes concernés, indiquant qu'elle avait formé une équipe de travail et de relations publiques 24 heures sur 24 pour l'achèvement des procédures d'arrivée des délégations qui viennent des pays du monde à l'aéroport du Caire pour participer au forum. Encore une fois, l'attention du monde sera tournée lundi vers Sharm el Cheikh, dont le gouvernement de Sinaï du Sud poursuit le lancement de la 4e édition des Forums mondiaux de la jeunesse. Et à cet égard, on trouve que la célèbre troupe africaine Nodo Lovo de l'Afrique du Sud est arrivée ce dimanche à l'aéroport de Sharm el Cheikh pour participer au concert prévu en marge du Forum mondial de la jeunesse. Il s'agit d'un groupe de jeunes talentueux qui combine la danse et le chant dans un spectacle joyeux qui reflète plusieurs aspects de bonheur et de plaisir via nombre de chansons étrangères célèbres. Nodo Lovo a participé et atteint la finale de l'émission Got Talent d'America et a présenté de nouveau de nombreuses chansons internationales dans un nouveau style artistique et les a postées sur, bien sûr, l'Internet. Quant au théâtre de ce Forum mondial de la jeunesse, il ressemble des jeunes plutôt de rassembler des jeunes artistiques talentueux, différentes nationalités, sous le slogan « Les arts pour faire revivre l'humanité ». Donc bien sûr, dans la deuxième partie de cette édition, nous allons poser une question à notre invité en ce qui concerne bien sûr cette dimension artistique et culturelle au sein de ce forum. Donc, le Forum mondial de la jeunesse qui se tient à partir de demain, à partir de 10 au 13 janvier, bien sûr, officiellement Sharm el Cheikh, un événement de plus qui confirme le rôle de l'Égypte en tant que hôte d'événements importants d'envergure internationale. Les jeunes enthousiastes et talentueux peuvent participer à cette conférence internationale des jeunes entièrement financée et en tant que participant conférencier, participant mondial, participant à un hôtelier, au théâtre et bien d'autres. Donc, je dois actuellement vous laisser avec plus d'explications dans ce prochain reportage. Ce lundi 10 janvier, l'Égypte ouvre de nouveau ses portes à l'accueil de la 4e édition du Forum mondial de la jeunesse qui se tient du 10 au 13 janvier à Sharm el Cheikh après 2 ans d'interruption en raison de la propagation du Covid-19. Un retour important sur la scène à travers lequel l'État égyptien s'active en invitant 500 000 jeunes provenant de 196 pays du monde entier à travers l'organisation du Forum de la jeunesse. Cet événement important vient mettre l'accent sur la reprise du dialogue inter-égyptien et avec différents pays du monde à travers une écoute attentive des défis, risques et préoccupations des jeunes du monde entier et de l'Égypte.
Le Forum mondial de la jeunesse est une plateforme construite par des jeunes promoteurs. Il envoie un message de paix, de prospérité, d'harmonie et de progrès au monde entier. Il engage des jeunes du monde entier dans un cadre enrichissant, leur permettant d'échanger des points de vue et de recommander des initiatives aux décideurs et aux personnalités influentes. Le Forum est une occasion pour les jeunes de s'engager avec les meilleurs décideurs politiques, de réseauter avec des jeunes promoteurs de la région et du monde qui sont déterminés à faire de notre monde un endroit meilleur pour tous. Le programme leur offre une variété d'options pour leur permettre de vivre le plus haut niveau d'expérience lors de leur participation. Les jeunes peuvent participer au Forum mondial de la jeunesse en tant que participants, conférenciers, participants modèles, participants à l'atelier ou participants au théâtre du Forum mondial de la jeunesse. La préparation de cet événement mondial majeur confirme que l'Égypte est capable à la fois de maintenir la sécurité, de contrôler la situation pandémique et de créer des canaux de dialogue et de débat sur des questions prioritaires importantes. L'Égypte est donc capable de mobiliser des canaux de communication avec les jeunes du monde entier, et ce dans le cadre du souci et de l'insistance du président Abdel Fattah al-Sissi à donner aux jeunes, non seulement en Égypte, mais dans le monde entier, la chance de participer, ainsi que de construire et de développer le rôle de la jeunesse dans le renforcement de la structure nationale, chacun dans son pays. Ceci renforce effectivement l'idée de l'État national, ses priorités et ses tâches, et améliore les opportunités de participation mondiale de la jeunesse consciente de l'Égypte et la jeunesse partout dans le monde. C'est ce que reflète l'agenda du forum qui soulève de nombreuses questions et des dossiers importants qui concernent la jeunesse égyptienne. La quatrième édition du Forum mondial de la jeunesse portera sur les droits de l'homme et sur toutes les questions et sujets qui relèvent des droits de l'homme. En menu, des discussions figurent notamment le changement climatique, la transformation numérique, l'apprentissage à distance, l'entrepreneuriat, l'avenir de l'énergie, les droits de l'homme, les effets post-Covid, la sécurité sociale, la technologie et la cinquième génération. Des jeunes représentants des nations du monde entier travailleront ensemble vers une vision visant à atteindre l'égalité, la stabilité régionale, la paix et le développement. سلحوهم بخبراتكم وبإيمانكم بهم لا تتركوهم فريسة لمن يقتاد بطموحهم ويستخدمهم أداة لنشر العنف والكراهية املأوا قلوبهم بالأمل والحرية والدعم الذي لا نهاية له افتحوا لهم أبواب الثقة واعطوهم مفاتيح القيادة فلا حاضر بدونهم ولا مستقبل بغيرهم
Donc, nous sommes rejoints par l'une des invitées de Marc. Il s'agit de Yasmine Hani Abdelaziz. C'est bien sûr, c'est une chargée des relations universitaires au niveau des jeunes, mais aussi c'est une spécialiste dans le domaine de l'énergie renouvelable. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup pour nous rejoindre. Mon plaisir. Et donc, pour le commencement, à quel point vous trouvez que ce forum, ou cette édition, cette quatrième édition de ce forum représente un grand défi pour l'Égypte, un défi à relever, notamment dans ce temps de coronavirus? Et est-ce que vous pouvez même nous donner un peu plus d'explications en ce qui concerne les différentes importantes dimensions, de ce forum? Alors, par rapport à la tenue de ce forum dans le contexte sanitaire actuel, bien sûr, je trouve que c'est extrêmement positif et encourageant et important que nous montrions au monde entier que nous pouvons recevoir autant de participation, de participants dans des conditions sanitaires exemplaires. L'Égypte est en train de gagner beaucoup de visibilité au niveau international et se prépare à recevoir de nombreux autres événements d'envergure globale. Ouais. Et bien comme la COP27 qui aura lieu à Sharm el-Sheikh également. Et je pense que c'est très important de montrer que l'Égypte est tout à fait capable de recevoir autant d'invités, autant de participants, tout en garantissant les conditions sanitaires qu'il faut pour rassurer tous les participants et montrer que nous avons bien conscience du défi et des dangers que représente l'économie, mais aussi nous avons la capacité d'organiser les grandes conférences et même d'attirer un grand nombre de participants parce qu'en fait, on parle actuellement des milliers de jeunes de par le monde. Bien sûr, évidemment, ça va être l'occasion de montrer à ceux qui en doutent qu'effectivement, il y a la capacité d'accueillir de telles manifestations et que cette capacité ne fera qu'augmenter au cours de l'année jusqu'à, évidemment, la COP27. Oui. Et permettez-moi de prendre une toute petite interview qui a été effectuée par notre envoyé spécial Noah Alaa sur place, bien sûr, pendant les ateliers préparatoires à cet événement. Et il s'agit même d'un invité qui s'appelle M. Madi Ibrahim Kanté, membre du Comité africain pour les sciences et la technologie. Je me trouve donc à Sharm el-Sheikh pour une couverture spéciale de cette quatrième édition du Forum de la jeunesse. Et à mes côtés se trouve M. Laurent Debouc, qui est chef de mission pour donc l'Organisation mondiale de l'immigration, qui est à mes côtés. Bonjour. Enchanté. Alors justement, nous étions en train de parler en off, en train de dire que c'était un sujet primordial, car c'est un sujet de l'heure. Tous les pays aujourd'hui ont pour objectif de lutter contre cette immigration illégale et de rendre un avenir meilleur à cette future jeunesse. Donc, quelle est l'importance justement de traiter d'un tel sujet dans ce forum ? Mais effectivement, nous croyons que la jeunesse est au cœur de nos actions. Nous travaillons avec les jeunes, mais aussi pour les jeunes et souvent le phénomène migratoire est mal compris par les jeunes ou bien par les gouvernements qui voient les jeunes en les jeunes un défi. Et donc à travers les différents ateliers du forum, on peut, je dirais, passer l'information claire sur la situation migratoire, le rôle des jeunes qu'ils peuvent jouer à tous les niveaux. Donc si on prend par exemple l'atelier qui est relatif au changement climatique, il y a un rôle essentiel que les jeunes peuvent jouer. Ils le jouent déjà en Égypte et on le voit aussi à travers les labs ici que différentes initiatives sont prises à travers le monde. Et donc le forum permet d'avoir un échange d'expertise
à travers le monde. Donc les jeunes qui, dans un pays, peuvent se sentir solitaires et seuls face à un défi, se rendent compte qu'en fait, un autre pays et d'autres jeunes font face au même, mais ont trouvé une solution et échanger et se trouver un peu empowered, renforcé dans leur approche. Et donc, mais ça, c'est un des éléments, mais c'est à travers tous les différents sujets qu'on peut donner un prisme migratoire. Surtout dire aux jeunes qu'il y a, il y a un avenir, il n'y a pas un avenir nécessairement. La migration n'est pas l'unique solution. Il y a un avenir aussi dans leur pays. Les migrants potentiels doivent prendre une information adéquate avant de migrer pour ne pas tomber dans les mains des passeurs ou des réseaux criminels qui peuvent abuser de leur, je dirais, leur rêve d'ailleurs. Alors, on sait que l'Égypte a longtemps lutté contre justement ce phénomène de migration illégale. L'Égypte était une porte ouverte à la migration. Depuis quelques années, des mesures drastiques ont été entreprises par le gouvernement pour justement lutter contre ce phénomène. En tant que chef de mission justement en Égypte, qu'est-ce que vous avez constaté sur le terrain ? Alors je vais vous dire, je suis arrivé en Égypte fin 2017, moment justement où on voyait les premiers résultats de la politique migratoire et particulièrement de lutte contre les passeurs de l'Égypte. Et j'étais absolument fasciné, j'arrivais pas même à y croire qu'un gouvernement puisse, en embarquant avec tout le gouvernement, donc tous les, c'est pas seulement les ministères en charge de l'immigration, mais tous les gouvernements dans son ensemble s'engageant à trouver des solutions pour lutter contre les passeurs et trouver des solutions pour les jeunes. Et effectivement, on a vu c'est pas une diminution, c'est un arrêt des départs à partir des côtes nord. Après un souci de coopération avec la Libye, voyant que les jeunes, soit les migrants qui étaient en transit en Égypte ou bien les jeunes Égyptiens commençaient à migrer vers la Libye puisqu'il n'y a plus de possibilité de partir des côtes nord. Et donc on a vu au fil des années, j'ai pu observer cette coopération qui est née entre différents ministères au niveau des frontières, après le référent vers des ministères comme la solidarité sociale pour trouver des solutions, des engagements qui ont été pris. Au dernier forum d'ailleurs, le président qui a lancé l'initiative de Life Saving Boats, qui est comment trouver des alternatives à la jeunesse pour ne pas prendre la migration irrégulière comme l'unique solution, donc où il a embarqué différents ministères qui se sont engagés. Aya Karima récemment qui s'est venu se joindre au processus de répondre aux causes principales ou premières qui vont motiver les jeunes à partir. Ils n'ont pas d'espoir et ils ne voient que rien ne se fait au niveau de leur communauté. Aya Karima vient jusque chez eux à leur porte donner des infrastructures de santé, de routes, d'écoles, des formations techniques pour qu'ils puissent trouver dans leur pays les solutions. Donc en fait, pour éradiquer ce phénomène-là, on doit trouver le problème et essayer de résoudre le problème dès les racines même, au lieu de punir sans comprendre. Non, absolument. Je crois que c'est ce qui est compris ici, c'est comprendre exactement la raison pour laquelle les gens partent et y répondre. On travaille aussi avec les expatriés, il y en a qui travaillent, plus de 10 millions d'Égyptiens travaillent à l'extérieur du pays. On travaille avec eux, avec le ministère des expatriés, pour qu'ils s'engagent au développement de leur communauté d'origine. Donc ils investissent financièrement, techniquement et qu'ils nous disent aussi quelles sont les raisons pour lesquelles les jeunes dans leur communauté d'origine voient la migration comme une solution. Et comme ça, on peut vraiment cibler le développement au niveau communautaire de solutions durables. Oui, parce qu'en Égypte, on a un autre problème, c'est qu'on ne parle pas non seulement des jeunes Égyptiens qui souhaitent partir, non, on est en train de parler de migrants de différentes nationalités qui viennent en Égypte pour pouvoir partir ailleurs. Donc en fait, l'Égypte fait face à deux problèmes. Exactement, c'est un laboratoire migratoire, comme j'appelle ça. Donc on a effectivement les Égyptiens qui aimeraient partir, les Égyptiens qui sont partis et certains qui reviennent, les Égyptiens qui sont partis et qui voudraient contribuer au développement du pays. Et puis il y a tous les migrants qui sont sur le territoire, certains depuis des années, qui contribuent au développement du pays, mais d'autres qui arrivent avec l'espoir de traverser l'Égypte. Et donc ils font face effectivement à une politique drastique de combat de la migration irrégulière aux frontières et donc qui sont en stand-by et qui doivent trouver une solution durable. Soit le retour, et donc on aide le gouvernement pour leur réintégration dans le pays d'origine, ou l'intégration ici, pour autant qu'ils aient les papiers légaux et les capacités de créer des entreprises ou de créer un emploi. Laurent Debouc, merci à vous d'avoir été des nôtres. Merci beaucoup.
Voilà, c'est donc une interview en exclusivité avec Monsieur Laurent Debout, qui est représentant, donc chef de mission en Égypte pour l'Organisation mondiale de l'immigration. Merci à vous. C'était donc l'interview effectuée par Noha Ale, notre envoyé spécial avec le chef de l'Organisation mondiale de l'immigration, M. Laurent Debout. Vous avez des commentaires à faire? Je trouve très intéressant de s'interroger sur la question de l'immigration et des migrations. Et évidemment, c'est parce qu'elle concerne les jeunes, mais je voudrais aussi insister sur le rôle et les opportunités qui existent aujourd'hui en Égypte pour aussi bien les jeunes Égyptiens qui sont en Égypte, les Égyptiens qui sont à l'étranger et les jeunes, par exemple, du continent africain. Il y a aujourd'hui en Égypte une offre, par exemple, en termes de formation extrêmement florissante. Hein. Je vais citer par exemple l'Université française d'Égypte qui permet à des jeunes Égyptiens d'obtenir des diplômes français sans aller en France, des jeunes Égyptiens et des jeunes Africains, hein, d'obtenir des diplômes français en Égypte même et en plus qui, en étant en Égypte, ont accès à des opportunités de travail qui en fait ne se trouvent plus, que ce soit en Europe ou en Occident. L'Égypte connaît aujourd'hui un taux de croissance économique qui fait qu'il y a plus de travail en Égypte aujourd'hui qu'en France. Oui. Pendant cette interview, vous avez dit qu'il y avait des intensifs qui ont poussé. Moi-même, par exemple, voilà, j'ai vécu de nombreuses années en Suisse et j'ai travaillé en Suisse avec grand plaisir. J'ai acquis beaucoup d'expérience là-bas. Mais je suis à nouveau en Égypte depuis maintenant 4 ans. Ouais. Et je constate un dynamisme incomparable, nourri par des jeunes, hein, essentiellement. Je vois qu'il y a énormément de jeunes qui sont très ambitieux, qui sont de mieux en mieux formés, qui ont envie de réaliser des choses, qui ont envie de faire grandir leur pays, qui ont envie de travailler et qui commencent à se rendre compte qu'ils sont mieux ici. D'une perception de l'extérieur, l'Égypte est devenue de plus en plus attractive. Ah oui, bien évidemment. J'espère que ce message va parvenir, que les jeunes d'aujourd'hui vont se rendre compte qu'il vaut mieux dépenser leur énergie à travailler ici qu'à chercher à immigrer, bien évidemment. Ils auront beaucoup plus d'opportunités, de réussite, hein, ici que dans de nombreux pays occidentaux. Oui. À quel point vous trouvez que le forum est devenu une occasion pour les jeunes de s'engager avec les meilleurs décideurs politiques, de réseauter avec des jeunes prometteurs de la région du monde qui sont déterminés à faire, par exemple, de notre monde un endroit meilleur pour tous? C'est une très belle plateforme qui est offerte. C'est une plateforme qui est non seulement belle, mais également stratégique, parce qu'aujourd'hui, on voit bien que les jeunes veulent participer à la mise en forme du monde de demain. On l'a bien vu avec Greta Thunberg, qui a pris la parole et qui a mobilisé les jeunes pour appeler à la mobilisation contre le changement climatique. Elle n'est pas la seule. Tous les jeunes qui viennent à Sharm el-Sheikh veulent avoir leur mot à dire, veulent participer de manière active à la définition du monde qu'on va leur donner. Et c'est un beau cadeau que nous leur faisons de leur donner cette plateforme, évidemment. Ouais. Justement, pendant les prochaines minutes, j'aimerais bien proposer un autre reportage qui va jeter plus de lumière sur la reconnaissance par l'ONU de ce Forum mondial de la jeunesse comme une plateforme internationale de dialogue
Donc, un petit reportage et je reviens à vous. Merci. Les Nations Unies ont adopté le 18 février 2021 le Forum mondial de la jeunesse lancé par l'Égypte en 2017 en tant que plateforme internationale et ce en reconnaissance aux contributions des trois éditions du Forum à la discussion des questions, des problèmes et des réalisations des jeunes du monde ainsi qu'à son rôle dans la réalisation du programme de développement durable 2030. Ce Forum est l'occasion pour les jeunes des quatre coins du monde de discuter en Égypte de plusieurs dossiers et défis régionaux, africains et internationaux et d'échanger leurs points de vue et leurs initiatives avec les décideurs et les personnalités influentes. Dans le cadre des travaux du Comité de développement social du Conseil économique et social de l'ONU, la mission permanente de l'Égypte auprès des Nations Unies à New York a réussi à inclure la résolution publiée au cours de la 59e session, soutenant les contributions du Forum mondial de la jeunesse qui a été lancé par l'Égypte pour autonomiser les jeunes du monde entier. Le 16 février, le Comité du développement social a approuvé cette résolution parrainée par l'Égypte et présentée par le Sénégal, le CAFER, le Portugal et le Kazakhstan, y compris une référence spéciale aux trois éditions du Forum mondial de la jeunesse qui a été lancé à Sharm el-Cheikh en 2017 en tant que plateforme internationale pour discuter des questions de la jeunesse. Le représentant permanent de l'Égypte auprès de l'ONU à New York, l'ambassadeur Mohamed Idriss, a déclaré que cette décision vient mettre l'accent sur les efforts de l'Égypte au cours de ces dernières années en termes d'autonomisation des jeunes. Monsieur Idriss s'est félicité que les questions relatives à la jeunesse sont désormais devenues une priorité absolue à l'ordre du jour des Nations Unies. Pour le jeune député Mohamed Abdelaziz, membre de la Commission des droits de l'homme au Parlement, la décision de l'ONU vient soutenir l'initiative lancée par le président El-Sisi convaincu du rôle des jeunes au développement des sociétés. Cette démarche onusienne, selon les analystes, soutient l'autonomisation des jeunes et permettra d'inclure leur vision et leurs recommandations aux stratégies mondiales de paix et du développement. Elle démontre surtout que l'initiative leader de l'Égypte en termes d'investissement dans les jeunes, qui représente 30% de la population mondiale, est un exemple à suivre. D'où est-elle l'importance de ce forum mondial initié par l'Égypte dont les objectifs riment avec la stratégie de l'ONU pour la jeunesse 2030? Il s'agit d'un mécanisme réussi pour inclure les jeunes à la vie politique d'une façon positive en investissant dans leurs capacités et leurs idées, estiment les analystes. Cette inclusion des jeunes dans la vie politique a été accompagnée des programmes de formation pour doter les jeunes des compétences nécessaires. Entre autres, le programme présidentiel pour la formation des jeunes, l'Académie nationale de formation et de préparation des leaders, ainsi que l'expérience réussie du comité de coordination des jeunes des partis. Aujourd'hui, ces efforts se sont concrétisés par une présence plus large des jeunes au Parlement égyptien, au poste de vice-gouverneur et d'autres, ce qui souligne l'importance de ce forum pour approcher entre les jeunes du monde et échanger les visions sur l'avenir de la planète. Donc à travers cette reconnaissance onusienne envers ce Forum mondial de la jeunesse, à quel point vous trouvez que l'Égypte a pu vraiment mobiliser des canaux pour non seulement dialoguer avec le jeune du monde entier, mais aussi pour les autonomiser? Vous savez, aujourd'hui, je crois que les jeunes communiquent entre eux de toute façon, c'est-à-dire avec les réseaux sociaux tels qu'on les connaît. Ils communiquent entre eux et vous allez trouver plein de convergences entre les jeunes en Égypte, en Amérique latine, en Asie, etc. Les jeunes se ressemblent plus qu'au cours des générations précédentes. Et ce forum a l'avantage de leur offrir, on va dire, une plateforme réelle et non pas virtuelle, pour échanger, communiquer. Et c'est très important parce que ça donne de la réalité, ça donne de la substance à leurs échanges, à leurs convergences, à leurs idées.
Oui. En fait, il y avait un atelier préparatoire qui s'est tenu avant même le lancement officiel de ce forum, qui a jeté la lumière, ou qui a porté essentiellement sur vie décente et l'exploit réalisé par l'Égypte à cet égard. Oui. Donc, comment vous avez, si je peux dire, vu les discussions de cette question et l'exposition même de cette expérience égyptienne pour arriver à la justice sociale. C'est très intéressant de donner à des jeunes l'occasion de confronter des visions différentes qu'ils peuvent avoir sur une question comme justement ce que ça représente une vie décente. Hein. Ouais. Pour certains, une vie décente, ça va être de pouvoir avoir les moyens de s'acheter des vêtements, tandis que pour d'autres, ça va être d'avoir de l'électricité pour faire ses devoirs et le soir. Donc c'est évidemment important de leur donner l'occasion de comparer d'arriver en fait à la synthèse de ce que ça représente une vie décente pour tous à l'intérieur d'un pays et même en dehors. Oui. En fait, avant de vous proposer une autre question, il y avait bien sûr une arrivée très distinguée qui a attiré l'attention des jeunes au sein de ce forum. C'est l'arrivée d'une troupe musicale de l'Afrique du Sud. Dans ce cadre, comment vous trouvez l'importance de ce forum dans le domaine des échanges des cultures entre les différents jeunes du monde? Alors, il faut voir, j'imagine que vous allez montrer des images de à quel point la musique, les arts en général, le cinéma, la création galvanisent les jeunes, à quel point la musique, par exemple, c'est quelque chose d'extrêmement important, comme si c'était la chose la plus importante dans leur vie. Donc, et quelles que soient leurs origines, c'est-à-dire vous allez voir des Égyptiens qui vont avoir envie de danser, de chanter sur des musiques sud-africaines, et de la même manière, des Sud-Africains qui vont être sensibles à la musique égyptienne. Et là encore, c'est une manière de rapprocher les cultures et de créer des valeurs communes. Oui, oui. Avant de proposer, non, Ala, j'aimerais bien vous de proposer interview effectuée par non, Ala, j'aimerais bien vous poser cette question. Le Forum mondial de la jeunesse discute du rôle de la génération Z dans la réalisation de la vision de 2030 de l'Égypte. Donc, c'est laquelle, la Z? Oui, oui, c'est laquelle. C'est ce qu'on va. Bien sûr, c'est ce qu'on va, si je puis dire, explorer et débattre. Mais justement, après cette petite interview effectuée par Nora Arla, notre envoyé spécial sur place. Alors, je me trouve toujours à Sharm el-Sheikh pour les deux journées d'atelier. Donc, nous avons le plaisir d'avoir un intervenant international, Mahdi Ibrahim Kanté, membre du Comité africain pour les sciences et les technologies. Bonjour. Bonjour. Alors, merci d'avoir accepté donc cette interview. Aujourd'hui, on parle beaucoup de l'Afrique, surtout l'Afrique post-coronavirus. Vous avez certainement pu participer à l'atelier, voir les discussions qui ont été faites. En quoi aujourd'hui il est important de parler justement de ces pays qui sont défavorisés, qui n'ont pas la chance d'avoir eu les vaccins qu'il fallait, et quels sont les sujets dont vous avez traité? Ok, merci beaucoup pour la question. Ce qui concerne déjà concernant le Covid dans le continent africain, on voit que vraiment le cas du continent, c'est complètement différent. C'est pas comme les autres pays. Malheureusement, on n'a pas pu avoir beaucoup de vaccins au niveau du continent, mais on a eu la chance qu'on n'a pas pu aussi
à avoir comme l'Europe, comme on voit actuellement la COVID-19 existe là-bas. Mais ici, ce qui est important ici, c'est essayer de discuter après une longue coupure. Pourquoi ? Parce que je pense que la dernière fois, c'était en 2019. Depuis 2019, on n'a pas eu l'opportunité pour venir discuter sur tout ce qui concerne les différentes situations du continent. Ça, c'est une opportunité déjà de commencer déjà par COVID-19. Et aussi, pas seulement COVID-19, parce qu'on est au sein de COVID-19, mais en même temps, après, qu'est-ce qui va se passer après ? Parce qu'il y a eu, il y avait des initiatives qui ont été créées dans le continent. Covid a coupé tout. Il y avait des rencontres annuelles qu'on faisait, de discuter sur des points qui sont essentiels. Surtout sous l'ampleur de Agenda 2063. Alors, Agenda 2063, il y a eu déjà des blocages au niveau de l'exécution, au niveau des coordinations. Maintenant, avec Covid, et on a essayé de dire que on peut vivre avec Covid, mais en se protégeant. On peut vivre avec Covid en faisant nos activités et puis en prenant le précoce. Je pense bien, ça c'est important de discuter sur ça et pas seulement pendant le Covid, mais plutôt même après le Covid, qu'est-ce que le pays peut faire, qu'est-ce que le jeune peut continuer pour exécuter tout ce qui concerne l'agenda 2063, parce que l'agenda 2063 se repose facilement sur le poil des femmes et des jeunes. Alors, les femmes des jeunes qui sont aujourd'hui là et qui sont en train de discuter sur différents thèmes, la session que je viens de terminer tout de suite, c'est comment l'Afrique va s'en sortir avec l'exécution des jeunes, de l'agenda 2063, avec la mobilisation des jeunes et des femmes. Alors, ça, c'est une discussion. Actuellement, on a fini avec 60 jeunes qui étaient là, qui discutent, qui vont tout de suite commencer aussi comme un atelier, qui vont sortir avec des recommandations. Qu'est-ce qu'on doit faire après cette pandémie ? Alors, rapidement, quelle est la solution justement post-Covid ? Qu'est-ce que nous devons faire pour sauver ce continent oublié qui est l'Afrique ? Bon, je pense bien, comme je viens de dire tantôt, que la COVID n'a pas impacté beaucoup sur le continent. Voilà. Même si on n'a pas de vaccins, mais quand même, on essaye de continuer dans le continent pour qu'on puisse se protéger et de ne pas avoir comme d'autres cas. Malgré qu'il y a certains pays comme le Maroc, comme le Nigeria, comme l'Afrique du Sud, qui ont eu des cas un peu difficiles, mais toujours dans le cadre du continent, c'est gérable. Pourquoi ? Parce qu'avec CDC de l'Union africaine, qui est en train d'essayer de trouver un moyen de négocier avec des pays qui ont le moyen de nous donner des doses de vaccins, voilà, effectivement, de fournir ça dans différents pays du continent. Et puis, il y a la mobilisation, comme le cas du Mali, par exemple, au niveau de chez moi, à l'université, qu'on demande aux étudiants de venir faire la vaccination gratuitement, les enseignants et presque tout le monde. Alors, je pense bien, avec des réunions comme ça, on peut sortir avec des résultats pour dire que voilà, voici la solution après COVID-19. Merci à vous, merci d'avoir donné cette interview pour Naïl TV International. Merci aussi, bonne continuation pour la chaîne, pour Naïl TV et le français, le programme de français. Merci, au revoir. Voilà, c'était donc Noha Alep pour Naïl TV International. Cette édition est très remplie, mais nous sommes toujours dans une course contre la montre. C'est pourquoi permettez-moi de vous poser cette question à propos de l'atelier préparatoire qui s'est tenu samedi au sein de ce Forum mondial de la jeunesse, qui a porté le titre « La perspective de la génération Z pour le monde post-pandémique ». Il s'avère que génération Z, ce sont la génération qui sont nés à partir des années 1990, il y avait des changements sociaux, économiques ou même des changements sanitaires. Donc il y avait un problème
en ce qui concerne la, comment on peut les intégrer dans la société. Vous avez des propositions ? Le travail, le travail, l'éducation, les opportunités culturelles, économiques, c'est ainsi qu'on intègre les jeunes dans la société. Bien sûr, la crise sanitaire rajoute un niveau de complication, mais il faut lutter évidemment contre l'isolement provoqué par cette crise, l'isolement qu'ont subi ces jeunes. On entend des jeunes, par exemple, qui rentrent à l'université, alors que c'est l'âge, on a des souvenirs, nous, quand nous sommes rentrés à l'université, c'était l'époque de la liberté. Maintenant, ils font l'université en ligne, enfermés dans leur chambre. Donc, bien sûr, c'est extrêmement triste pour ces jeunes-là, et il faut multiplier toutes les occasions de les intégrer dans le monde réel. Dans le monde réel, dans le monde économique par exemple, comment vous trouvez l'avenir de la technologie et de la transformation numérique post-Covid ? Alors autant ça a apporté, je ne peux pas nier qu'évidemment ça nous a tous, aussi bien les jeunes que les adultes, les gens, les professionnels, on a appris à utiliser ces technologies d'une manière différente, on a découvert qu'on pouvait faire beaucoup avec, mais il ne faut pas oublier que nous sommes des êtres humain et non pas virtuel. En fait, malheureusement, je n'ai plus de temps pour continuer notre discussion avec vous, mais merci beaucoup pour votre éclaircissement en ce qui concerne ce forum et l'importance de ce forum. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous également, chers téléspectateurs. Et je dois clôturer cette édition, mais avec ce petit reportage.